Bonjour les amis, c'est le testeur de dimanche. Aujourd'hui, eh bien, encore un nouvel unboxing, mais là, attention, pas un, pas deux, pas trois, mais quatre en tout, quatre unboxings que j'ai reçus, eh bien, ce matin. Eh bien, n'hésite pas déjà, abonne-toi à la chaîne, un testeur de dimanche, si ce n'est pas déjà fait, et mets un petit pouce si, bien sûr, la vidéo t'a plu. On va commencer, eh bien, tout de suite, le déballage. Et on s'attaque au premier. Allez, c'est parti. C'est le plus petit. Attention au cutter, bien sûr, ça coupe. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Surprise. Ah, je crois savoir. Voilà. Eh ben, c'est un œilleton officiel Nikon. Donc, Made in Japan. C'est le DK9. Et ben, il sera installé sur mon Nikon F70 pardon, sur lequel on avait fait déjà le unboxing il y a pas si longtemps. Et voilà, il est là. Donc il n'y avait pas de Hutton à l'origine. Et donc j'en ai commandé un officiel Nikon parce que ceux qui sont compatibles ou plus ou moins de d'autres marques, là ça va pas du tout. Privilégier eh bien, les œilletons officiels Nikon. Allez, on s'attaque au deuxième paquet, un peu plus imposant déjà. Alors ça c'est épais, mais c'est plutôt léger. C'est vraiment une surprise même pour moi, le mec il commande et c'est même plus ce qu'il a commandé. Allez hop, je déballe. Voilà. Ah, alors ça c'est une commande que je vais vous montrer dans quelques instants. C'est une commande que j'ai faite et puis que j'avais annulé au dernier moment. J'ai fait une mauvaise manipulation et la personne m'a rappelé, m'a dit mais vous voulez vraiment l'annuler tout ça, et j'ai dit non, en fait j'ai fait une mauvaise manip, je vous ai bien payé, donc voilà, et je envoyais le mot quand même parce qu'ils voulaient me rembourser. J'ai dit non, ne me remboursez pas, envoyez moi le produit. Alors bah, c'est une loupe, voilà, grossissante x15, voilà, et bah, c'est très pratique hein, quand on fait de la photographie pour des, et puis pour plein d'autres choses hein, pour des petits objets etc, voilà. Et je suis content, voilà, je suis très très content. Et voilà quoi, donc voilà, donc loupe grossissante x15, et celle-ci je l'ai commandée, je crois qu'elle vient de Belgique, je crois, et non, j'ai dit des bêtises, ça vient de Saint-Rémy-de-Maurienne, voilà, dans le 73 en France, voilà, donc une loupe grossissante avec une petite boîte très très sympa. Voilà. Allez, on passe au troisième paquet. Troisième paquet, toujours de la même taille à peu près. Alors celui-ci, il vient d'Angleterre par contre. Ça, j'en suis sûr et certain. Ça y est, c'est noté. Allez, c'est parti. On va essayer de déballer ça proprement parce que les paquets, je les garde aussi des fois. Justement, moi aussi, parce que je suis acheteur, mais je suis aussi vendeur hein, sur eBay. Donc, je garde les paquets. Ça sert toujours pour les envois. Alors, celui-ci, ça y est, j'y suis arrivé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je crois savoir, c'est bien emballé. Et allez, qu'est-ce que ça peut être? Je crois savoir ce que c'est. Oui, c'est ça. Alors, au début, je pensais que c'était des noms. Et en fait, alors. C'est toujours sur de la photographie. Vous allez dire, c'est quoi, c'est une éponge? Et non, c'est un filtre. Un filtre, voilà, de diamètre 52. Et voilà, c'est un filtre Photax orange. Voilà, pour des effets, des beaux effets en noir quand tu fais de la photo en noir et blanc. Et j'essaye d'ouvrir. Et c'est dans un. Voilà, c'est ça le filtre. J'essaye d'ouvrir. J'ai un peu de difficulté. J'ai pas envie de le casser. Ouais. Il y a d'ailleurs une manip. Ah bon, je. Alors, c'est un vrai filtre Made in Japan, hein, celui-ci. Hein. Je l'ai quand même payé, je crois, pas loin de 7 euros. Donc, voilà. Et donc, un produit d'occasion, bien sûr. Voilà. Qui pourra me servir. Voilà, pour les photos en noir et blanc, pour faire ressortir des choses qu'on ne voit pas forcément sans filtre et même en couleur. Voilà, donc filtre orange, voilà la base.
Allez, on passe au dernier colis. Et c'est le plus imposant. Ah, alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois savoir. Je crois savoir. Oh, pardon. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est le jeu sur PlayStation 2, Grand Theft Auto San Andreas, voilà, en version Platinum. Et voilà, c'était pour un ami qui l'a acheté, qui était en très mauvais état. Et bah, je l'ai recommandé sur eBay. Bah, il est très demandé celui-là, hein. Il n'est pas forcément facile à trouver, en tout cas là où j'habite. Et donc je l'ai commandé directement sur eBay. Il est même arrivé très très vite. Voilà, il vient de Montargis. Et bon, il y a le CD. Hop. Un peu de mal ce matin. Voilà, ça y est. Eh ben, il est en bon état. Il est honnêtement, il y a quelques petites rayures. Je sais pas si on peut voir. Ouais, là ici, il y a quand même un peu de rayures. Ça va quoi. Honnêtement, ça va. J'ai connu bien pire. Et au moins, je suis sûr qu'il fonctionnera sur sa console. Et ben voilà, les amis. Donc on avait le GTA San Andreas. On avait bien sûr le filtre orange Made in Japan, hein, voilà, de marque Fotax. Voilà. On avait la petite loupe grossissante x15. Voilà. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et puis pour terminer, très pratique, bien sûr, l'œil ton officiel Nikon, le de Made in Japan, bien sûr, DK9. Pour le Nikon F68, F70, pardon, entre autres, hein, il est compatible aussi avec d'autres modèles, donc d'appareils photo Nikon. Et ben voilà les amis, et ben écoutez, j'espère en tout cas que ces déballages vous auront plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!